Ouais, ça bosse dur, hein. Oh, le vlog. Ouais, regardez, il fait quoi? Moi, ça je change. Il va tout payer. Mais il y a des gens qui... What? Hi everybody, what's up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? On se retrouve pour un weekly vlog. Ok, weekly vlog parce qu'on est à J-7 de ma première masterclass de Bible Study with Girlies. Et j'avais envie de commencer... on est à J-8, pardon. Et j'avais envie de commencer un petit vlog. Là, je suis en train de faire une dinguerie, les gens ils vont me tuer. Mais j'essaie de vlogger sans mon attel. Et en plus, je vlog avec la caméra arrière parce que ma caméra avant, elle ne marche pas. Mais normalement, je devrais faire réparer tout ça d'ici lundi ou mardi. But anyway, that's not the point. The point is qu'aujourd'hui, on a une petite journée assez sympa parce que je fais de la création de contenu avec Kiko Hairstyle, Chiara. On va tourner le premier épisode de ma nouvelle émission, Christ Entrepreneur. Donc ça va être une émission sur les chrétiens entrepreneurs et entrepreneuses. Et puis voilà, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoil. Vous allez voir directement le premier épisode, comment c'est, tout ça, tout ça. Du coup là, je viens de me réveiller, donc on va ranger un peu la maison. J'avais déjà fait le gros, mais on va ranger la maison, faire un peu de ménage, manger, se préparer et tout parce que je dois me coiffer. Là, vraiment, je dois être au max en fait. Parce que Chiara l'a dit, elle va se mettre au max parce qu'elle sait que je l'aide. Donc là, il faut que je lui montre qu'elle a raison, je l'aide. Je suis trop contente de pouvoir refaire des vlogs. Mon téléphone m'a tellement manqué. J'ai juste hâte d'avoir la caméra avant parce que juste filmer en caméra, ça va pas être possible. But, ça va aller. J'ai fini de faire mon étude biblique du matin, donc on va poursuivre la morning routine avec la petite préparation et tout et tout. Et je vous reprends dès que je commence à me préparer tout ça, tout ça. Parce que je sais pas si je vais pas me reposer encore un tout petit peu avant de commencer la journée, parce que je vous cache pas que je suis un peu fatiguée de la semaine, vu que j'ai pas très très bien dormi. Donc we will see, mais on se retrouve tout à l'heure. Là, il est 9h30, c'est l'heure du rangement. J'ai pas grand chose à faire, à ranger et tout, mais on va speeder parce qu'après, il faut que je me prépare un minimum. Et voilà. Donc, c'est parti, je ne prépare pas trop.
surmis le truc. Là, je vais faire le make-up et tout. La pauvre, elle a eu des problèmes de transport, donc elle va arriver en retard. J'espère qu'elle va arriver quand même pas trop tard pour pouvoir faire sa réunion et tout. Je continue à me préparer et on attend la demoiselle. Un test. On voit le make-up. Tu commences comment tes vidéos? Hi everybody, what's ah oui. up? Welcome back. Ça dit quoi les gens? Comment tu l'as trouvé? Au fur et à mesure des vidéos, au début c'était hey ho. C'était ça. C'était... Et après, un jour je me suis dit non, les gars, c'est trop nul. Je me suis dit que c'est trop nul. Après, j'ai commencé à dire hi everybody. Après, il y a le what's up qui est venu. Et après, c'est le welcome back à chaque fois que je disais. Et après, à un moment. T'as fusionné les trois, genre. En fait, à chaque fois, il y a une phrase qui se rajoutait. Je me suis dit, il y a moyen un jour de la mettre en phrase. Mais là, c'est déjà long. Et je trouve, vas-y, c'est bon. Ouais, c'est bien. Il y a déjà tout dedans. C'est vrai. Ouais, c'est comme ça que j'ai trouvé. Mais c'était long, hein. Je crois que j'ai mis 2 ans à trouver la bonne phrase. Ouais. Je suis KO. Là, je fais une petite vidéo de Mariam. Je vais filmer tout quand elle est arrivée, tout ça. Mais c'est un petit peu de rush parce que du coup, la petite, elle avait un entretien. Après, on a enchaîné les vidéos. En plus, on vous a dit, elle est là pour entendre la vidéo. Mais vous savez qu'on a filmé pendant une heure. Enfin, on pensait avoir filmé pendant une heure. On avait pratiquement fini la vidéo et en fait, on s'est rendu compte que ça ne filmait pas. Ensuite, on est parti je l'accompagner prendre le car pour rentrer chez elle et tout. Le car, il arrive en retard. Non, vraiment. Bref, donc là, je suis posée tranquillement. Il y avait une grosse araignée. Je l'ai aspergée avec du spray anti-moisissure, mais je la vois plus. Je sais pas si elle est morte ou si elle se cache. Je suis au bout de ma vie, là. Je sais pas comment c'est cadré, les gars, mais désolée. Et bah là, je vais me faire un thé, je vais me reposer, je vais dormir. Là, je tiens avec ma main, il y a mon athène, ça me fait un petit peu mal. J'ai vraiment hâte de récupérer ma caméra avant, parce que c'est insupportable. On m'a réparé mon écran, on m'a cassé ma caméra avant. Je dois repartir pour qu'il me répare ma caméra avant. Et voilà quoi. Franchement, là, c'est repos. Hi everybody! Bon, je vais pas refaire l'intro à chaque fois, mais bref. On est samedi 10 février. J'ai passé un petit moment calme ce matin. J'ai fait une slow morning. J'avais pas trop envie de faire grand chose parce qu'en fait, on m'a period. Et ça arrivait ce matin. Là, j'ai grave mal au ventre et tout. But, bonne nouvelle, j'ai reçu ma commande à sauce. Donc là, je vais aller la chercher. Et dedans, en fait, il y a plusieurs tenues. Et je vais devoir choisir quelle tenue je vais mettre pour le Bible Studies with Girlies. Du coup, je vais vous faire un haul dans le vlog. Et je pense qu'en même temps, j'en profiterai pour le transformer en Reels. Et en short. Et en TikTok. Enfin, bon, bref. Donc là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. En plus, je dois faire du montage parce que je dois vous sortir une vidéo demain. Donc, faut que je me la donne au montage vraiment aujourd'hui. Pour que la vidéo, elle soit prête là. Donc là, du coup, j'attends. Je vais en profiter d'aller chercher ma commande parce qu'en fait, l'optimisation en HD, elle est en train de se faire. Donc, je ne peux pas monter tant que l'optimisation HD n'est pas faite. Du coup, là, je suis déjà prête. On va y aller et voilà quoi. Elles sont mes baskets. Ah oui, c'est vrai, je les ai balancées aux 4 coins de la baraque, là. Pourquoi ça va être celle-là. Hier, il faisait tellement froid. Les amis, le froid là n'était pas là pour blaguer. Vraiment, j'ai vraiment senti qu'il n'était pas là pour des lol. Ma baby. J'ai envie de m'acheter des nouvelles vestes, des nouveaux manteaux et tout. Mais the price though, faut que je fasse des amis, faut que je fasse des sous. Faut que je fasse vraiment des sous parce que j'ai des projets outfit pour cette année. And I need money for that. Genre vraiment, j'ai envie cette année de vous montrer à quel point je suis une fashionista en fait.
À quel point je peux être stylish. Mais là, ces derniers temps, nous sommes sous coupe budgétaire. Alors, la meuf a dit ça alors qu'elle va chercher une commande Asos. Mais sachez que moi, je suis la reine du bon plan. Donc, ça veut dire j'ai cherché code promo, article soldé, j'ai utilisé carte cadeau offerte par le travail et tout. Moi, sachez que je suis un rat. Mais je vais vous apprendre comment avoir des bons plans, comment ne jamais payer vos commandes en full, full, full. Je suis la reine des bons plans. Vous savez, c'est rare que j'aille faire des achats et que je paye cash comptant. Toujours, soit je prends des trucs soldés, soit j'ai une promo qui est quelque part là que j'ai gardé en esprit pour pouvoir l'utiliser. Soit j'ai un bon d'achat et tout. 2024 là, on est rare mais pas pour rien. Parce qu'on a des investissements à faire ailleurs. Ok, c'est parti. C'est juste à côté. Donc j'ai pris ça. J'espère que ce sera bien. C'est pas la marque que je prends d'habitude, mais voilà. Genre, je trouve que ça m'a coûté super cher et j'aurais été à Leclerc. Je pense que j'aurais même pas. J'aurais payé au moins 7 euros en moins. J'ai trop la rage. Mais bon, c'est pas grave. Ah, c'est Dieu qui pourvoit. Ça m'a tué le moral là.
Et franchement, je te jure, j'aime trop ma compagnie. Genre, j'ai rien fait, hein. Et puis, j'étais en PLS aussi, j'étais fatiguée, toi, à cause des règles. Mais je te promets, genre. Mais c'est juste, allez, vas-y, encore. C'est important. En fait, parce que, par contre, je veux redécouvrir un peu seul encore, tu vois. Tu reprends un peu ton indépendance que t'as pas eu avant, tu fais avec toi pendant soi. Comme si, là, genre, c'était la gamine d'avant, il y avait bien. Genre, là, ouais, c'est ça. Ça. Tu penses un peu à toi, etc. Tu te crées ton confort solo, c'est important. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est important. Parce qu'à toujours avoir un enfant, au final, ben, c'est pesant en fait. À force, même si c'est bon enfant, c'est pesant. C'est des responsabilités, mais quand t'as des moments comme ça et tout, faut profiter. Hein. Genre là, j'ai repris en. Genre, tu vois, je sens ma créativité qui revient.
là, on est le lendemain. J'ai pas trop filmé hier parce que je vous avoue que bah, j'ai principalement travaillé et après je me suis reposée. Aujourd'hui, je vais peut-être sortir pour faire des photos. J'attends d'avoir la réponse de Ifra. En attendant, on va continuer à bosser parce qu'il faut continuer à préparer. Je suis tellement fatiguée, les gars. J'aurais même pas à bien parler. Faut continuer à préparer la masterclass de samedi. Faut que j'aille à Action. Purée, j'avais oublié. Faut que j'aille à Action. Hier, je ne suis pas allée. J'ai juste récupéré les colis. J'ai complètement zappé. Non, c'était hier? Non, c'est avant-hier. Ou je sais plus. Quand est-ce que j'ai récupéré les colis même? Ah, vous-même, vous savez. Anywho. Du coup, là, je vais prendre mon petit déjeuner. Au menu, c'est flocons d'avoine. Quaker pour les Congolais, ok? Faut que je fasse des lessives. Et voilà, franchement, journée chill. Mais en fait, vous savez, je vous ai même pas dit qu'en fait, pendant 2 semaines, je vais être seule. Et au début, j'appréhendais grave d'être toute seule et tout pendant 2 semaines parce que ça va faire des années que je ne suis pas restée toute seule. Mais genre vraiment, pendant 2 semaines, j'ai pas fait plus d'un week-end seule à la maison. Et là, ça va faire des années, genre. Et du coup, j'appréhendais de fou. J'avais peur de me sentir seule et tout, de m'ennuyer, tout ça. Mais pas du tout. Bon, déjà, je suis archi fatiguée, donc je me repose pas mal. Mais comme j'ai pas mal de choses à faire, je m'ennuie pas. Et ça, j'ai l'impression que ça m'a un peu donné un regain de créativité. J'ai regardé sur Internet des spots où je peux aller faire des photos. J'ai regardé des restaurants, des brunchs où aller à côté de chez moi. Genre vraiment, ça m'a donné envie de bien profiter de ces 2 semaines au cas où si par exemple je dois rentrer tard et d'habitude je le fais pas parce qu'il y a le petit ou des trucs comme ça. Donc on devrait passer 2 bonnes semaines. Donc il y aura un premier weekly vlog et je pense qu'il y aura un deuxième weekly vlog mais qui sortira en décalé, genre pas à la suite. Et voilà. Bon, regardez-moi le soleil. Ah, c'est trop bien. Ça fait trop du bien. Là, je pense que je vais aller à Action. D'abord, je vais aller prendre ma douche. Après, on va aller à Action. Je vais appeler aussi le réparateur de mon téléphone pour voir s'ils ont reçu mon nouvel écran ainsi que ma caméra avant. Même si je commence à apprécier de filmer avec la caméra arrière, mais le fait de ne pas avoir de retour, c'est un peu perturbant. But anyway, regardez-moi ça. Je viens de finir mon make-up. J'ai essayé de faire mon make-up autrement. Je sais pas si j'aime, je vais voir à la caméra. But anyway, là il fait archi archi beau. On va sortir, faire ce qu'on a à faire. Je pense que je vais peut-être faire des photos, je sais pas. Au cas où, je vais prendre un sac avec mon trépied et tout ça. Et on va voir. Mais the sun, I love it. Ready to go, ready to go. Je prends ton sac. Muy importante. We good. Et mon attel. En train actuellement d'écrire les mots sur des foils. Je trouve qu'ils sont trop beaux. J'ai regardé, c'est des cartons comme ça. Et du coup, j'écris les petits mots que je mets dans les sacs cadeaux. Des petits mots de remerciement dedans. Et chacune aura son petit mot écrit à la main, bien évidemment. Le vlog. Ouais, je me dis regardez, il fait quoi? Bonjour, regardez, il fait quoi? J'aime bien. Non, non, mais vas-y, assume. Ah, de quoi? Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Ouais. Assume ce que tu fais. Ouais. Viens ici. Ouais. Viens ici. Ouais. Assume. Ouais. Assume ce que tu fais. Coucou Kevin. Du coup,
beaucoup au vlog. Ouais, Il a failli se prendre le poteau ou... Ouais. À la base, ça devait pas se voir. On va aller chercher à manger. Ils sont venus me réconforter parce que j'étais un petit peu stressée ces derniers temps. Donc là, on va aller manger. Attendez, voilà. Donc là, on va aller manger. On va aller au Mac Burger. Et voilà quoi. Là, ça va un peu mieux. En espérant que demain, ça reste le cas. Ah, voilà. Et je monte devant en fait. Dans la Benz. On est dans la Benz. Avance, s'il te plaît. Kevin, c'est pas parce que t'as mis de la peinture là sur les coins. Tu m'énerves, toi. Avance la chaise là. Je sais pas comment on avance. Regarde, tu vois, t'as un truc en forme de siège là. Un quoi? Tu vois le. Oh, L. C'est automatique. Oh, c'est quoi ça? Avance. Comment? Oh, that's fancy though. Hey, il y a des gens ici, ils vivent. Hein. Tout ouvrant et tout. Elle a coûté combien, 15K? Et puis quand on lui demande de payer la graille, il dit c'est compliqué. C'est pas compliqué, il est bien, wesh. Il est très bien, financièrement. C'est un beau 23, ça, en vrai. Il est très beau financièrement. Il est célibataire, d'ailleurs. Laissez-moi tranquille. Frère en Christ. Homme d'affaires. Je ne recherche que l'argent. Ingénieur informaticien en cybersécurité. Je ne recherche que de l'argent. Il a la Merco, la Benz. Pourquoi? Et puis nous ici, on a tout ce qui est web marketing. Ouais. Frère en Christ. Web marketing. Comment ton diplômé. Master 2 en communication digitale et influence. Créateur sur internet, designer, graphiste. Beaucoup de choses. Je sais. Beaucoup trop de talent. Vas-y, c'est bon, ça s'arrête là, ça s'arrête. Ah, chanteur. La musique du monde. Il est chanteur. Je révise, il y a Caris demain. Ah ouais, c'est demain. Non. Il va tout payer. La vérité est que je n'étais pas très présente dans les autres jours de vlog, car en fait, j'ai fait une crise d'angoisse. Et c'est pour ça qu'ils étaient venus à la maison, parce que ça avait pris un certain niveau. Mais je ne me suis pas découragée, j'ai remis ça entre les mains de Dieu et je sais que c'était une attaque du diable pour me décourager et m'empêcher de faire cette masterclass et les prochaines et les suivantes. Allez, vous allez. C'est le jour J, c'est le jour de la masterclass de la première édition de Bible Study with Girlies, les gars. Je suis un peu dans tous mes états. I'm shaking right now. Je vais peaufiner les derniers trucs qui restent à faire avant de me préparer. Oh, j'ai tellement mal au ventre, les gars. En fait, je suis stressée, mais je suis excitée en même temps. J'en ai rien de fou. Vous avez ce qui se passe, je suis tellement reconnaissante. En fait, je suis trop choquée. J'espère que tout va bien se passer. Il y a plein de petits aléas de dernière minute qui m'ont un peu stressée. C'est pas, mais les gars, en plus, ça fait longtemps que je vous ai pas pris en vrai. Je pense que j'ai mis des petites séquences images à certains jours, mais j'ai pas vlogué plus que ça. Mais aujourd'hui, on va faire l'effort de bien vlogger. Donc là, on va un petit peu travailler et après, on va se préparer ensemble. Let's go. Qui nous avons aujourd'hui? Ah là là, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour. Voilà, la masterclass est arrivée. Alors dis-nous, Gabi, parle un peu à tes abonnés, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Dis-moi tout. Là là, je pensais que j'avais plus de temps que ça. J'ai pas du tout à manger.
J'aurais pas dû manger, mais bon, bref, je suis pressée. Mais là, tu connais très peu très bien les temps pour que je termine, parce que je me prépare. Parce qu'il faut absolument pas commencer en retard. Soy. Bon, fast. On s'attrape tout à l'heure. Ok. Gros bisous. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé le plan de ma masterclass. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu m'a dit que je devais recommencer sur une certaine ligne directrice, autre que celle que j'avais préparée de base. Du coup, j'ai tout simplement tout recommencé. J'étais en PLS parce que j'ai tout recommencé et il ne me restait même pas une heure pour faire ça et me préparer. Ah ouais, ça bosse dur, hein. Regardez ce qu'elle fait pour vous, franchement. Elle se donne à fond, là. Serena, wesh. Pourquoi tu caches... Hey, regardez comment c'est technique. Regardez comment c'est, regardez comment c'est technique. Collage des fossiles. On fera un tuto pour vous montrer comment on fait. Voilà, je vous montre un peu en détail ce que Serena fait, voilà. Elle est en train de coller et répartir sur toute sa paupière. Et après, tu me stresses, j'arrive pas à coller une dame là. Et. Bouni Boyer, mais lâchez-moi. Voilà, regardez comment elle bosse pour vous. Jusqu'au bout, jusqu'à la ligne droite. Ah là là. Bon, t'as des choses à dire? Je suis stressée, on est en retard de 5 ans. Voilà. T'apprends de ouf? Ouais. Ah. Écoute, ça va bien se passer, hein? J'espère. Mais oui, t'inquiète. Là, l'événement il va bientôt commencer, mais on va faire les derniers préparatifs en chap-chap. Je vais essayer de me coiffer en brrr, mais je vais rester avec mon chignon. Je devais avoir une meilleure coupe que ça, mais bon, dans la vie il y a les aléas et il faut accepter qu'il y a des aléas, et puis voilà. Multifonction. Pas sérieux. Malheureusement, elles n'étaient que deux à venir. Toutes les autres se sont désistées au dernier moment. Certaines ont prévenu, d'autres non. J'étais triste, mais pas plus que ça, parce que j'étais très contente de qui était venue. Et j'étais juste très déçue que certaines n'aient juste pas pris le temps de prévenir. Ce n'était pas la chose la plus importante à retenir. On a passé un excellent moment et je remercie ces demoiselles et Dieu pour ce moment. À la chérie, c'est bon.
Vanille coco, parfait. Tiens, regarde. Peut-être que tu préfères les deux. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Vous aimez votre cadeau? Et j'ai fait un mot écrit à la main avec mon gros plâtre, avec ma grosse attelle. J'ai écrit chaque mot à la main. Oui. Moi, j'allais faire une photocopie. Hein. Chaque mot à la main, parce que je voulais vraiment un truc personnalisé pour chacune. Je voulais pas que ça passe impersonnel. Du coup, ça y est, la Bible study est terminée. Ça s'est excellemment bien passé. Je suis trop contente. Merci à mon assistante derrière, là, qui fait ses photos. Vous avez raté. Voilà, allez-y. Les absents ont toujours tort. Franchement, ça s'est trop bien passé. On a trop bien mangé. Et Malia, t'as dead, hein. Malia, t'as dead. Malia, la dead, les petits trucs sucrés, les petits trucs salés, bah hot dog, bah nini. Tocos. Vous ratez, hein? Vous ratez. Ma star qui est venue nous chercher en voiture, elle est pavée, mamé. Mais. Il y a des gens qui... Grosse colonne vertébrale là. We are done. On a fini. On est rentré. On a mangé. Et comme vous pouvez le voir, je suis éclatée. Voilà. Je suis tellement fatiguée, les gars. Je sais même pas comment je vais faire pour me démaquiller. Bah, se maquiller, c'est bien. Mais se démaquiller, c'est pas... un autre combat. Je suis pas motivée, les gars. Concentrons-nous sur le vrai combat. Est-ce que je suis bien cadrée là? Je sais même pas si je suis cadrée. Les gars, je vois même pas aller où le téléphone. Concentrons-nous sur le réel combat. Hein. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Franchement, Toleki, si j'en ai à bien, mon coeur à bien, on mettra les. Je mets pas de sous-titres. Pourquoi il n'y a pas de sous-titres? Vous comprenez, ne jamais trahir le combat en fait. Franchement, j'en ai mon coeur à bien. Nali est très très bien. Franchement, merci à celles qui ne sont pas venues parce que j'ai rempli mon estomac en fait. Merci à la baby mama Maya d'avoir cuisiné parce que c'était vraiment 10 out of 10 en fait. C'est trop bon genre. Elle a dead. Vraiment dead, 10 sur 10. Ouf, les petits au dog la pite. Au petit cœur qui nous a déjà... Merci à Efra de nous avoir accompagné et tout. Merci Efra. Merci au petit cœur, à la fille toute minute, je sais pas comment elle s'appelle, de nous avoir ramené à la maison. Merci et à la bisapologue. J'espère qu'elle est bien rentrée d'ailleurs. Mais d'ailleurs, je t'ai même pas... Je... Même s'il y avait les soukous sur je voulais lui donner les cupcakes, wesh. Ah, j'ai oublié. Même s'il y avait les soukous sur le chemin du retour, on va pas dire. Parce que voilà, la route n'était pas très plate. Franchement, en vrai de vrai, sérieusement, le message d'aujourd'hui, en vrai, genre, on était quatre. Mais vous voyez, comme on dit, là où deux personnes se réunissent, là, Dieu, il est là. On était quatre. Mais je vous jure que Dieu a pris le contrôle de cet après-midi. Parce que les choses qu'on a dit... Genre, c'est trop intéressant. Genre, on a parlé comme si on se connaissait depuis. On était hyper à l'aise. On a parlé, on se racontait des petites story time, mais on se rendait compte qu'en fait, c'était des mini témoignages. Mais qu'on avait, genre, grave minimisé. Du coup, petit conseil, ne jamais minimiser sa situation. Parce que c'est toujours des témoignages, en fait. Moi, avant, je pensais que j'avais pas de témoignages. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que si, en fait, j'en ai plein. Donc, déjà, allez, abonnez-vous. Et... Quand on est dans le live, vote à côté. Bah, live, vote à côté. Eh, vas-y. Bocha Bakir, Bocha Bakorason. Tapoté. Allez vous abonner parce que bah, c'est pour ça en fait. Parce que tous ceux qui donnent pas la force, quand on va personne, on veut pas de vous. On veut pas de vous. Dis bien. Dès le début en fait. Period. Quand on va personne, on va aller acheter des sacs coach. On veut pas vos appels. Insupportable. On veut pas vos appels. Mais sinon, bah, bisous et Bailey. On se retrouve dans la deuxième partie. Bisous les étrangers. Parce que je sais pas si c'est les noms. C'est bisous les abonnés, yo. Bisous les abonnés. Ah, je sais pas si je clôture ce vlog aujourd'hui ou si je le clôture mercredi avec la Bible. Regardez, je commence à pleurer.
C'est pas bon. En tout cas, je vous fais des très, 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 très gros bisous. Mmh.